Alors après avoir testé le pot Siga, là on va tester le pot Techno Boss, un de type détente, donc il a un cône et puis un contre-cône et sa petite cartouche. Si on entretient la laine de roche, il fait un bruit très agréable, hein. Pas trop de bruit. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit, s'il va mieux au régime ou pas, ou comment ça fonctionne. Alors j'ai mis juste là les deux courbes, les mieux que j'ai eu avec le sax. Enfin, le pot cigare pour être précis, et puis du coup là on va tester par-dessus avec le pot Techno Boss. Alors ici on a la courbe, les deux courbes, hein, une à chaud, une à froid. Après je l'ai tiré aussi, donc la deuxième aussi plus longtemps. Donc là on voit qu'en bas on a quand même moins de puissance que l'autre. Et puis là je vais aussi proposer les deux courbes et puis à 70 km/h on sera je pense quand même au-dessus. Alors donc je prends de nouveau les premières courbes. Je vais prendre les courbes de l'autre pot. Alors, il y avait celle-là, celle-là, celle-là. Et celle-là. Donc là, j'ai pris les quatre. Ok, hein, on voit bien la différence comme ça nous est décalé. Donc vraiment, là, on voit les deux courbes qui sont ici, donc la verte et puis la rouge. Donc ça c'était avec le pot cigare. Et puis après on avait aussi testé avec le pot cigare la bleue, ou vraiment en style au régime, un petit peu plus proche du techno, mais comme on n'a pas aussi la forme du pot cône contre cône. Donc là on voit ça décale bien la puissance, donc ça veut dire que j'ai les chevaux max plutôt à 62 km, 61 km/h. Alors qu'avec l'autre pot, je les ai à 55 km/h. Par contre, après tout ce qui est monté, ou voilà, il a moins de force, il a moins de couple. Mais par contre, la puissance se décale. C'est intéressant parce qu'on voit que vers 60-70, il a encore un peu de chevaux, alors que les autres sont déjà vraiment en train de descendre. Donc c'est vraiment, on peut regarder les chevaux. Alors on pourrait dire que là, à 66. On est à 6 chevaux, et puis après,
Voilà, c'est pas tout à fait. Par exemple, avec la coupe rouge, on serait à 4-5. Donc vraiment, on est sûr qu'avec ce pot, on va pouvoir aller plus vite et qu'on a plus d'accélération à haut régime, aussi à haute vitesse. Donc vraiment bon pot, il est bien plein. Après en bas, ben voilà, il est quand même pas mal creux. On voit là avant que ça se lance, c'est vraiment creux. Mais par contre, si vous voulez avoir plus de puissance à haute vitesse et puis aller plus vite surtout, eh ben ce pot vous conviendrait mieux. Après, ben c'est à votre choix.